Et je serai calme. Fils, give me a good pass. Allez, on va demander à Patrick de nous rejoindre. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, salut, Marc. Salut, Patrick, tu nous appelles d'où? Limonet. Bienvenue à toi, on t'écoute, Patrick, on parle de quoi? Mercato. Allez. Alors, avant toute chose, je félicite Teddy. Oui. Bravo pour ce qu'elles ont fait. C'est bien, on va parler de ça. Pour gagner cette finale. Voilà. Maintenant, ben, je parle de Mercato. Alors, voilà, pour l'année prochaine. Je suis d'accord avec la personne qui a parlé un petit peu avant. Voilà. Au niveau d'un entraîneur, on n'est pas obligé d'aller chercher un grand entraîneur de classe mondiale. Moi, peut-être qu'il y en a qui vont peut-être se foutre de moi, mais moi, je verrais bien un garçon comme Julien Stéphane. Pourquoi pas? Voilà, au niveau entraîneur. Au niveau du staff technique, Grégory Coupet pour les gardiens de but. Et puis le docteur Boudot, en tant que médecin. Voilà. Bon, au niveau des joueurs, bon, bah, ce que je dirais pour l'année prochaine, bon, bah, Anthony Lopez, bien sûr, Alchopi, Denayer, Tété, Dubois, Messi, Solet, en milieu de Touzard, Diop et Ndombé, s'il veut rester, et s'il veut jouer, bien sûr, parce qu'il joue quand il en met. En attaque, Moussala, Depay, Terrier, Guéry. Alors, bah, j'essaierai. Alors, bon, alors, tu fais partie à qui alors? C'est un peu vite d'attaque ça. Oh, tu fais partie à qui alors? Bah, tout le reste. Bah, ben, tout le reste. Ils sont fait appâter alors, hein, quand même. C'est un grand groupe, hein. Des Gorgelin, des Dubois, des Morel, des Thierry, tous ces joueurs, hein, tout le monde, ouais. D'accord. Voilà. Bon. Voilà. Et puis, il y a une petite chose. Au niveau de Bruno Genesio, quand je vais aux entraînements, je trouve que c'est quelqu'un très très bien. J'adore Bruno, c'est dommage pour lui. Mais c'est un garçon qui n'arrive pas à se faire respecter. Voilà. Il a seulement que. Mais c'est pas un mauvais entraîneur. Moi, je trouve que c'est un très bon entraîneur. Simplement, les joueurs ont envie de jouer comme. Voilà. Quand je vois certains, comme. C'est pas que j'ai quelque chose contre Tiki, j'adore. Mais là, je vois que cette année, c'est pas ça. Bon. Pour moi, de toute manière, moi, dans ma tête, la fin de saison va tout tous nos matchs. Peut-être qu'on a peut-être peut prendre pour un coup, mais je suis peut-être pas sûr à 100% dans la finir deuxième. Je vois pas bien comment on peut finir deuxième, mais après, bien sûr, ben, mathématiquement. Je vais pas avoir du mal à parler avec Patrick, ça, c'est sûr. Je vais faire un mot. Voilà, je vous avais dit, il va parler. Pardon. Moi, je pense que Lille va faire un mauvais pas. D'accord, donc s'ils font un mauvais pas, par exemple, on les tape dimanche. Oui. On revient à combien de points? Au point. D'accord. Ils refont un autre mauvais pas, c'est-à-dire qu'ils perdent deux fois. Oui, je sais qu'au virage, ils sont bons. Donc il faut qu'ils fassent un troisième faux pas. Ça va, oui. Pourquoi pas? Et que nous, on gagne. Oui, il faut tout qu'on gagne. D'accord, ok. Et moi, Lille, Marseille, je ne sais pas quoi. Donc sur quatre matchs restants, il faudrait que Lille se plante trois fois au ballon. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais t'as raison, attention, j'ai pas dit que c'était pas possible. Là, je j'ai du mal à le croire. Troisième. Pardon, on continue troisième. C'est sûr qu'on finit troisième. Voilà. Maintenant, je vais parler au niveau des recrues, si j'ai faim encore une fois. Allez, t'as, je te mets 20 secondes. Bon, alors voilà, en défenseur, bon, je sais pas si Jean-Michel va sorti une attaque, je sais pas, on la prend pas. Bon, enfin voilà. Moi, je vois Delaïd en centrale. Ouais. Benaïd. Soumaro, de Lille. Ouais. Bestrebani. Ouais. Bollet et Rongier. Au milieu de terrain. Ouais. Pilec, Pépé, Ayot. Hey, mon bisou! Bon, voilà. Et puis l'entraîneur, je suis inscrit. Très bien. Bonne soirée à toi, mon. Alors, ma femme, je vais dire, parce qu'elle vous écoute, là. Eh ben, c'est qu'elle regarde votre émission. Mais non, c'est toi qui as beaucoup de classe, parce que c'est toi qui as pris comme épouse ta femme. Voilà. Allez, merci beaucoup et merci à toi. Bien, bon Dieu, on verra. Salut mon pote, porte-toi bien. Mon gros, il l'a appelé.